Et toi, avant de regarder ta vidéo de merde, je t'ordonne de m'écouter. Nous sommes plus de 900 sur cette chaîne. Et j'aimerais vous dire un truc, je suis gêné. 900 ? Et on ne se connaît même pas. Et je me suis dit que pour faire connaissance, je pourrais peut-être organiser une foire aux questions. Moi personnellement, j'ai des questions à vous poser, mais... les dames d'abord, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a des dames qui me regardent. Enfin, des femmes, des filles. Vous avez quel âge ? Oh, pardon. Oui, donc, tout ça pour dire que si vous avez envie de me poser une question, vous pouvez la mettre dans les commentaires et j'y répondrai peut-être en vidéo. Sûr, sans doute, veux-je dire. J'accepte toutes les questions, sauf celles qui concernent Joy Pony, parce que je vais y répondre tout de suite. Je n'y rejouerai pas. Bon, eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Ah non, autre chose. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo détente. Je vous conseille de bien vous asseoir confortablement, dans le noir, hein. Et puis, de laisser aller la vidéo. Bon, eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, bonne vidéo. While reading notes, she came upon, the more that Twilight found, the greater that the writing grew, more frightened and unsound. The ponies that had come before her, trapped within this lair, first started out with hope, which then dissolved into despair. She lost her faith that any pony managed to escape, for now it seemed a sadder tale was starting to take shape. Her thoughts strayed back to home again, which filled her with regret. Her chapter of this story soon to join its silhouette. Et bonjour tout le monde, c'est Vincent Rodrigue. Après 4 mois de pause de sur ce jeu, et en fait, je vous explique un peu la situation. Je voulais vous filmer un autre jeu d'horreur, mais il me faisait trop peur. Donc du coup, j'ai filmé autre chose, j'ai fait les montages, tout ça, mais je suis pas satisfait. Donc du coup, j'ai voulu vous filmer un troisième truc, mais ça m'a pas plu encore, donc du coup, je me remets là. Et voilà, parce que je veux le finir, ce jeu, hein. Et donc du coup, après ces 4 mois d'absence, je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand même, plus que 3 niveaux. Ok, on a 2 portes ouvertes, tout se mène vers l'obscurité, c'est génial. Merci Twilight, j'avais pas vu qu'il faisait noir. Oh non, pas lui. Tu me vais pas manquer, toi, boule de noir. Boule de fumée noire, on va dire. Ok, s'il y a ces espaces-là, ce n'est pas pour rien, j'en suis sûr. Oh putain! Attends, 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 attends. Je suis pas là. Je suis du noir. Oh merde! Je suis pas caché! Une clé. Je crois savoir pourquoi. Oh mais non, me dites pas que c'est pour ce que je crois. Mais non, pas encore ce genre de casse-tête tordu. Ok, Et voilà, ça commence, putain, mais non, mais je veux pas avoir à faire ce genre de casse-tête. Bon, ça c'est pour ouvrir ça, j'imagine. Et là, il n'y a pas de porte. Ah, si. Oh, bah. Ah, ok, c'est la fin. Ah, bah c'est bon, alors là, c'est la fin. Bon, je vais voir ce qu'il y a là déjà. Attends. Est-ce que c'est encore un truc à la con, il faut ouvrir des grilles? Ouais, 2. Bon, je crois que j'ai compris le casse-tête. Là, j'imagine que ça va être trop facile, un petit jump. Et là, il va falloir trouver une clé pour qui va nous mener là. Je ne sais quoi. Un jump, peut-être encore. Bien entendu, faire 2 jumps, c'est trop compliqué, hein. On va mettre... On sait, toilette qui fait noir. On va mettre un jump, un petit casse-tête. Ah oh. Elle glisse. En fait, le problème, c'est que toilette est en train de glisser. Ah, mais il me suit partout, ce con. Ah bah putain, ça... Eh, franchement, la vidéo, elle commence très bien, vraiment en mouvement. Je sens qu'il va y avoir plein de cuts. Je crois que je vais même mettre... Oh putain. Je vais même mettre un... une petite musique derrière fond là. Non, on va profiter de cette atmosphère, hein, pour une fois qu'il y a un jeu MLP qui a une atmosphère. Non, Luna Game a aussi une très bonne atmosphère, hein. C'est juste qu'elle est un peu dépassée. Ok, la clé est là. Oh putain! Je suis du noir. Ah mais... Mais c'est pareil, je sais plus comment on fait pour le semer déjà. Faut qu'on fasse plus de bruit, faut qu'on s'arrête. On fait comment déjà? Ça fait 4 mois, hein, je me rappelle plus du tout du mécanisme du jeu. Enfin, le mécanisme de ce truc là, de cette boule noire là.
Bon. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Tu as rêvé. Oui, une boule noire, ça peut rêver. Oh putain, je sais où il est. Retourne au lit, s'il te plaît. Tu es grognon. Parce qu'il grogne. Vous pigez. C'est un jeu de mots. What? Ah! Abruti. Ah, allez, toi, là, il t'en peut petit effort. Voilà, c'est bien. Oui, elle est là. Bon, là, j'espère qu'on n'aura pas l'autre boule noire, là. Et de 1! Ah bah non, même pas de jump! Allez! Et là, on aura affaire à quoi? J'espère qu'on aura pas encore affaire à l'autre con là. What's that? Sunlight? Mais oui! La lumière du soleil! Mon dieu! Oh non, c'est quoi cette blague? C'est le levier ça? Ouais, je vois un levier. C'est quoi cette blague? Attends, réfléchis Vincent. Réfléchis. Il y a un truc qui va m'échapper. Là, je vois un levier. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois un levier. Mais attends une minute, mais ces barreaux sont infranchis. Traitez-moi d'abruti! J'avais oublié qu'on pouvait se téléporter. Et voilà, mais quel abruti! C'est la base du... C'est le tutoriel dans le premier niveau. Bah, ça fait 4 mois. Oui, c'est vrai, Twilight a besoin de magie pour tenir une, pour lire. J'espère qu'il lui faut pas. J'espère qu'elle a pas besoin de magie pour que son cœur bat, parce que sinon. Elle est partie. C'est une horrible chose. J'entends. Oh là là, qu'est-ce que Crescent et Silver et... Enfin, mais c'est quoi ce nom? Crescent Aurora. Bon, je vais l'appeler Aurora directement. Aurora Eclipse, bah voilà. Quoique Silver et Eclipse. Bon, Silver, ça fait masculin. Je sais même pas si ce sont tous les deux des filles. Je crois que ouais, ce sont tous les deux des filles. On est dans MLP, après tout. Les garçons, c'est des espèces en voie de disparition. Et voilà. Putain. Ta-ta-la. Ta-ta-la. En fait, il était trop facile, ce niveau. J'aurais pu le faire en même pas 10 secondes. Voilà, allez, plus que 2 niveaux. Though sorrow seemed to circle Twilight, keeping her contained, she saw, despite the danger here, a tiny hope remained. A crack of sunlight cutting through this dismal dark foundation would mean she wasn't distant from the surface and salvation. Her effort now redoubled, she resolved to make her way, perchance a few more floors until she sees the light of day. But even though escape was close, the shade was also near. 'Twas not the time for recklessness. Lest she succumb to fear. Ok. Allez. Troisième niveau, partons de la fin. Mais Vincent, je me sens con pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Évidemment, on peut se téléporter. C'est la base du gameplay. En fait, je croyais qu'en fait, ces barons, en fait, c'était des trucs à lever. Donc je me disais, non, on peut pas. Voilà, je croyais que c'était un peu comme dans ce genre de situation. Sauf qu'il n'y avait pas ce cristal. Donc, tu pouvais te téléporter. Ok, bah ça c'était facile. Oh non, je me... Oh non, Sombrette est de retour. Oh non, encore dans le noir. Oh putain. Attention, ça part en... Fallait bien tomber dans le piège, hein. Je le savais. Hein. Allez hop, speedrun. Enfin non, pas speedrun, on va dire plutôt... lynchage. Voilà, enfin, je vais lyncher. Droit, gauche. Go, go, go. Ah. Oh, oh. Too far to jump. Merde. Ah, en plus elle l'a dit. J'ai pas écouté. J'ai voulu tenter le diable. Allez, 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 allez. On est chaud, on est chaud. Allez, allez, on est chaud. Allez. Oh, no. Attends, je crois que... Mais je vais économiser ma magie parce que s'il faut. Parce que s'il faut se téléporter. Too far to jump.
Oh, le gros troll. Ouais, je crois bien. Putain, c'est beau. Eh, hey, sans deck, c'était joli ça comme action. Quand elle a dit dead, c'est la fin, tout ça, elle me dit voilà, comme encore à chaque fois, et tout d'un coup, hop, c'est à travers. Ah putain, eh, hey, franchement, j'adore. Ça, c'était vraiment une belle mise en scène. Très joli. En plus, ça va nous apprendre encore un truc sur le gameplay. Pour se sauver de sombrette, il faut aller derrière la lumière. Aller derrière la pardon, la lumière. Je viens de boire un coup et je viens de manger, donc... Oula, faut faire quoi là? Voilà. Encore une note quelque part, non? Ah! Je ne comprends jamais ce genre de scène, c'est bizarre. Les sous-titres, je les comprends, mais là, je ne comprends rien du tout. Même les sous-titres, là, je ne l'ai pas compris. À croire que les notes ont été écrites... Non. Oula, what the fuck? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Attends. Je peux me téléporter dedans? Ouais, je peux m'emprisonner tout seul, toute seule. Nispère, je me demande qui c'est celui-là, je me souviens pas de lui. Ou d'elle, j'en sais rien. Alors, j'ai besoin d'une clé, mais je sais pas où la mettre. Ah bah tiens, je vais la mettre là. Ah oui. Allez, plus que deux niveaux. On envoie le bout. The ray of hope that started with the finding of the light had grown into a beacon that had pierced through all the fright. For just a moment, Twilight stopped and pondered what she learned. Though once she was a prisoner, she felt the tide had turned. For Sun had kept the beast at bay, at least to some extent, and any such advantages would help with her ascent. This also got her wondering, and slowly it made sense. This weakness could be used as more than just her own defense. T'as deux secondes, je suis sur mon téléphone. Parce que je crois qu'il a fait du bruit, j'ai pas entendu, mais je crois qu'il a fait du bruit, donc du coup je le mets en silencieux. Voilà. Je sais pas si vous l'avez entendu. Comment? Oh! Tais-toi! Je regardais une vidéo, elle s'est allumée toute seule, en même temps c'est une vidéo de Dailymotion, vous savez, Dailymotion. Hein. Sur porte, sur... Oui, oui, Dailymotion existe sur téléphone. Oh là là, mon Steam est activé, je me souvenais pas que mon Steam était activé. Deux secondes, je vous reviens. Et re, voilà, c'était une demande de la part d'un ami. Donc, bah du coup, je sais plus tout ce que je faisais. Merci beaucoup, mon ami suisse, qui va sans doute se reconnaître. Bon. Du coup, oula, 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 pourquoi il y a autant de... Oh non, mais tuez-moi! Attends, voilà. Y a pas un rayon de soleil quelque part? Mon rayon de soleil! Putain, mais c'est un labyrinthe! Pas besoin! Oh putain! Attends, mais je dois éteindre ma lumière, si ma lumière est allumée, il va... Ah! Putain, mais glisse, toi là, il glisse. Oh, excellent! Oh, c'est flippant, putain! Oui, et donc, du coup, je voulais vous dire un dernier truc. C'est bon, j'ai coupé mon Skype, tout ça, normalement. On est plus que tous ensemble. Tous les 900. Enfin, tous les 200. C'est déjà... on est entre nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, non. Non, 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 non. Par contre, on veut pas de toi. Bon... Je vais peut-être de le vexer. Ah! Oh! Bonjour. Au revoir, je voulais dire. Mais du coup, c'est quoi la mission là? Parce que attends, je me suis perdu dans un labyrinthe là, alors que je ne sais même pas quoi faire. Ah! Ah, bah, je retrouve la sortie sans même la chercher. Génial.
Ok, il y a 3 leviers. Ok, shit. Pourquoi il y a un puits sans fond là? Il va falloir que je cours en repartant et que je fasse gaffe à ne pas tomber. Ah, il serait capable de faire ce genre de truc. Ok, la clé est cachée quelque part dans ce labyrinthe. J'adore les bruits de pas de toilette. En plus, il y a ça qui est là pour nous sauver. Ah, tiens. Je me souvenais pas avoir baissé un levier. Oh, il est là. Bon, ça va. Pour le moment, on a besoin de toi. Attends, la clé n'est pas derrière les rayons de soleil. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau, sans déconner, je pourrais rester là pendant des heures. Je pourrais prendre le soleil. Ouh là là! Non, je suis pas là. Je suis pas là. Et cette fois-ci, je ne suis vraiment pas là. Je suis derrière un mur d'une autre dimension qui s'appelle la lumière. Mais ça, tu connais pas. Mais je sais que tu connais pas. Rage pas, s'il te plaît. Sois bon joueur. Allez, allez. Il se tire et il fait la gueule. Allez. Tire-toi et fais la gueule. Oh! Là, je retourne vers lui, là, que je sache. J'entends son bras. Non, j'allais faire une parodie de Le Loup, le Renard, la Belette, mais je pense que ça intéresse personne. Putain, ces bruits de pas me donnent des frissons, sérieusement. Voilà, le frisson est arrivé. Ah putain, avec les planches, tout ça, les planches, le feu. Ah! Bon bah au revoir, sombrette. Ah, et 2-1! Bon, encore 2. Ou 3, non, il y avait combien? Il y avait 4? Oh shit! What? Bon, c'est pas grave. Attends, j'arrive, il était là avant. Parce que si le truc c'est plus tu baisses de Hertz, plus il y en a qui vont monter. Non. Oula, non, attendez. Le levier, je sais pas, c'était là avant ça, je me souviens pas. Bon, on m'en fout, je vais le contourner, donc. tout le monde s'en fiche. Oulala, j'ai pas confiance. Non, c'est bon. Ah, ok, j'ai compris, ils sont tous à chaque. Ils sont tous à chaque extrémité. Bon, les autres sont en train de flipper alors que moi je me démerde comme un chef. C'est pas ces cris, c'est peut-être des pouliches. Hein? Les pauvres petites. Non, là ça n'a fait apparaître aucune. Ouais, elle était là avant, je me rappelle très bien, elle était là avant. Donc non, non, non. Ça baissait les Hertz. Non, monter les Hertz ne fait pas baisser d'autres. C'était le mot que je voulais dire tout à l'heure. Mais j'ai compris où elles sont à chaque extrémité du labyrinthe. Et là, je viens de voir son bras qui vient de passer. Oula, il est où, il m'a vu, il m'a vu. Non, c'est bon. Putain, allez, plus qu'un. Bon, maintenant c'est bon, je sais où ils sont. Non, c'est bon. Ah, c'est fourbe, hein, les barreaux qui sont là pour te freiner. Hein. En plus, ça te force à prendre qu'une direction. Mais attends, mais si! Attends, mais si, mais attends, le labyrinthe était pas comme ça tout à l'heure! Non, non, baisser des. Monter les Hertz en fait baisser d'autres. Oh mon dieu, je le savais! Oh là là! Oh mon dieu, mais quelle bande de salopards! Ils veulent que tu recommences leur jeu, hein! Du coup, ça va pas être facile d'aller à une autre extrémité. Attends, là j'en viens. Putain, maintenant je sais même plus d'où je viens. J'ai pas de boussole. Donc, j'espère que son bras s'est enfermé lui-même. Non, il peut pas. Son bret ne peut pas s'enfermer lui-même. C'est un fantôme. Enfin, c'est une espèce de boule sombre. Ouais, là j'en viens. Oh mon dieu, allez, il y en a plus qu'une. Que je fasse un niveau. Que je fasse un niveau d'une traite en moins une fois. Non, 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 non. Ah bah bonne chance, je vais faire quoi moi? Ouh là là! Oh là là. Heureusement que t'es là pour me réconforter, toi. Mais malheureusement, il va falloir que j'aille voir ta sœur. Sois pas jalouse, hein. Heureusement que t'es là pour me réconforter, toi aussi.
Et vous aussi, mais malheureusement un barreau nous sépare, donc vous ne pouvez pas la conforter. Toi, tu seras la suivante. Tu me réconfortes, hein, s'il te plaît. Ah, c'est chaud. Oui, j'essaie de me donner du courage. En fait, j'ai plus peur de mourir que de sombrette. Sombrette, la brume noire. Où est-ce que je ne suis pas allé? Là, je sais même pas. Ah. Je crois savoir. J'espère que je vais pas tomber sur lui en chemin. Ou sur elle. Oh putain! Oh non! Oh putain, coup de chance. Oh putain! Oh mon dieu! Je sens que... Oh non! Dommage que je ne sois pas là. Ah oui, merde, faut que j'éteigne la lumière! Comme ça, il peut me perdre. Voilà. Toujours éteindre ses lumières quand il est dans sa ligne de mire. Oh, oh! Quelle saloperie ce truc! Buvons un coup, tiens, en attendant qu'il se tire. C'est bon. Note pour plus tard, ne plus boire de coups. Saloperie. Oh mon dieu, mais quelle bande de fourbes! Attends, je sais quoi faire. Attends, on a combien déjà? Il y en a. Ah, mais non, il y en avait bel et bien 3 et pas 4! J'avais réussi! Bon, je trouvais pas la sortie en même temps, donc. Bon, ça va, c'est rassurant. Allez, speedrun! Vous voyez? Les Hers, oui, oui, les Hers. Bon, vous l'avez vu avec la lumière, hein. Regardez, regardez, regardez. Oui, je sais, oui, je l'ai vu. Ah, vous avez vu ça, les petits salauds, hein? Comme ils sont salauds. Oh là, oh non, tu commences pas, toi! Merde, non, mais éteins ta lumière, Twilight! Ah, elle a plus d'endurance! Ah! Oh! Je sais pas ça fait combien de temps que la vidéo dure. Je sais. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup trop long. Bon bah, on s'arrête là tout simplement. Je vais faire une petite pause. Et normalement, c'est l'avant-dernier niveau ou même le dernier, je crois. Mais bon, on sait, je sais quoi faire, tout va bien. Et je vais reprendre la suite pour bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de poser vos questions, hein, pour la prochaine vidéo. Qui sait, je ferai peut-être ma FAQ dans ce niveau-là, qui sait. Allez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.